c'est Johan Nyanguet, j'ai 23 ans, je suis originaire de Toulouse et maintenant je suis plus du côté de Paris. Pourquoi le taekwondo? Ça, c'est une bonne question. Avec ma mère, on se baladait, je pense, quand j'étais petit. Et on est passé devant, on a vu les tenues, faire les coups de pied, tout ça. J'ai dit, ah, j'ai envie d'essayer ça. Et donc, j'ai essayé, j'ai accroché et j'ai continué pendant de longues années. Alors, j'ai arrêté ma carrière de taekwondo en début 2019. Suite à ça, il me fallait autre chose. Il fallait un nouveau sport, comme je suis toujours sportif depuis petit, il me fallait un nouveau sport. Et je me suis tourné vers le football américain. Au début, c'était vraiment un simple loisir. Je n'avais pas de prétention de faire des performances, quoi que ce soit. Et assez rapidement, au bout de 3 mois, je me retrouve dans l'équipe de France de football américain. Et ça a pris un peu trop de perspectives, donc ça allait assez vite. Voilà comment je me suis retrouvé là-bas. Alors la NFL, c'est la National Football League. C'est la plus grosse organisation de football américain au monde, qui est aux États-Unis. Et comment j'ai atterri là-bas, pareil, hein. Par hasard, ils m'ont envoyé un mail un jour. En croyant que c'était une blague, j'étais là, j'étais pas bien. Donc, en répondant à leur mail, j'ai vu que c'était vrai. J'ai eu un appel avec eux, ils m'ont expliqué comment ça allait se faire dans les prochains mois. Et voilà comment j'ai atterri dans ce milieu. Alors c'était un séjour sur 4 mois, donc c'était vraiment un camp où on s'entraînait tous les jours, 2 fois par jour avec des coachs, préparateurs physiques, jusqu'aux tests finaux devant les équipes NFL pour voir si on peut signer contre la suite de ça ou pas. Ah, pas vraiment de secret. Hein. Au taekwondo, on va dire que là, c'était le travail tous les jours, acharné, essayer d'atteindre ses objectifs tous les ans, se fixer. Voilà des objectifs à chaque fois à atteindre. Même si ça ne marche pas, continuer toujours de bosser. Et le football américain, c'est arrivé par hasard, mais par la suite, il a fallu se mettre au travail pareil. Donc, c'est toute une question de travail et de persévérance. Et si on veut quelque chose, on fait en sorte de l'acquérir. Alors, projet futur, déjà, je compte repartir aux États-Unis là très bientôt. Pour concrétiser enfin, essayer de signer un contrat pour de bon. Et côté plus professionnel, je suis en train de développer tout doucement ma marque et j'espère qu'elle verra le jour assez vite. Merci à vous. C'est gentil, merci.